Bonjour, donc bienvenue à Lioche, plus petit village du département des Alpes-Maritimes. Nous nous situons dans les gorges du Science, donc direction Bœil-Valberg, c'est beaucoup plus connu que Lioche. 50 habitants, 850 mètres d'altitude et comme vous pouvez le voir, un panorama extraordinaire qui permet de nombreuses randonnées pour aller vers les villages aux alentours, donc Pierrelas, Silence, Thouette, Thierry, Bœil. Ça fait partie de nos richesses, de notre patrimoine. Je vous invite à me suivre pour découvrir notre petite commune. Je vous présente donc mon premier adjoint, Monsieur Raphaël Bégali, qui est à mes côtés depuis maintenant 28 ans et qui avant était l'adjoint de ma maman, qui était maire d'ailleurs, et Laurence Barre, qui est notre deuxième adjointe. Donc Laurence s'occupe de tout ce qui est culture et environnemental et Raphaël s'occupe de plein de choses, des travaux, de la sécurité, il s'occupe de l'eau et de l'assainissement, enfin des indispensables dans nos villages. Voilà. Alors nous allons découvrir la bibliothèque Abdel Aissou, du nom de notre ancien sous-préfet de la montagne, avec qui nous avons des liens particuliers, mais Laurence vous en dira beaucoup plus. Alors c'est une bibliothèque qui est tenue entièrement par des bénévoles. On est 5 bénévoles qui nous relayons pour ouvrir le samedi. Elle a été créée en 2012-13. Il y a un fonds propre qui est essentiellement constitué de dons et un fonds qui tourne, qui est lié à notre partenariat avec la bibliothèque départementale de Prêt. Là, c'est le coin jeunesse, avec des albums qui sont un peu dans le désordre parce que les enfants sont actifs. Le fond adulte est beaucoup plus étendu. Donc là, c'est le coin des romans policiers et de la science-fiction. Les romans en gros caractères pour les personnes qui ont les yeux fatigués. Et là, c'est notre coin documentaire qui est un petit peu dégarni, qu'on va parce que volontairement, on va le recharger en ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce livre ? La vie du village, il y a quelques siècles jusqu'à maintenant, avec des belles photos qui, bien sûr, à nous, nous rappellent de merveilleux souvenirs. Quelques recettes aussi, des traditions de notre petite commune. Voilà. Donc nous allons au gîte. C'est le gîte de deuxième étage, le premier loué à l'année. Là, je m'occupe de tout ce qui est travaux. S'il y a un problème, on vient m'appeler. Et que je m'arrange de façon à ce que ce soit propre quand il y a de nouveaux locataires. Comment ça se passe? Donc les gens peuvent venir au week-end, à la semaine? Au week-end, la semaine, même le mois. Et on s'adresse à qui donc? Vous téléphonez à la mairie, ou la mairie vous dira où il faut appeler au gîte de France. Les jeux avaient fait leur temps, donc nous avons rechangé tous les jeux du jardin d'enfants l'année dernière, ainsi que le sol que nous avons entièrement refait. Voilà. Il est mignon, hein ? Il est trop beau. Alors la maison des chasseurs, la société de chasse est très importante pour notre petit village, mais je pense pour tous les villages, puisqu'elle permet d'animer le village de septembre à janvier, on va dire. Les chasseurs font du travail aussi pour la commune, puisqu'ils nettoient dans la montagne. En ces périodes où il y a beaucoup moins d'agriculteurs, d'éleveurs, heureusement que nous avons les chasseurs qui permettent encore un peu de biodiversité et qui prélèvent du gibier tout en respectant la nature, je tiens à le dire, parce que souvent on dit du mal des chasseurs, mais heureusement que les chasseurs sont là. Alors la maison de Mémé,
ancienne auberge du village, connue de toutes les personnes aimant la bonne chère, qui nous a quittés il y a un certain nombre d'années. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a recréé une auberge, parce qu'un village sans accueil, c'est un village qui se meurt petit à petit. Regardez un exemple de restauration entrepris par la commune. La commune, depuis quelques années, a acheté pas mal de biens pour justement pouvoir les restaurer et les louer par la suite. Et cela permet d'accueillir de nouvelles familles. Voilà. À la maison Bordeaux. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Le gîte, les chambres d'hôtes écologiques. Alors, ce sont des chambres d'hôtes. C'est-à-dire que il y a 9 couchages en 3 chambres. Et les petits déjeuners sont servis. Là, il y a une deuxième chambre qui comporte un lavabo derrière le paravent. Voilà, il y a des placards pour les séjours un peu longs. Un autre niveau qui est essentiellement dédié aux jeunes. Comme je propose 9 couchages, ce sont généralement des familles qui viennent et souvent des couples amis avec enfants. Donc, ça fait petite colonie de vacances. Il y a 4 couchages dans ce grenier aménagé. Les gens viennent prendre leur petit déjeuner ici. Alors, la table est à rallonge selon le nombre de convives. Il va jusqu'à 10 chaises. Alors, l'intérêt, je vous le dis, à Lioche, ce sont tous ces petits potagers. Chaque maison a son petit potager. Donc c'est vraiment très agréable, bien sûr. Nous avons la chance d'avoir un éleveur de chiens de chasse courant au village qui vend donc des chiens pour la chasse. Et en même temps, nous avons 2 parcs d'entraînement pour chiens de chasse. Et les chasseurs viennent à la fermeture de la chasse jusqu'à l'ouverture, donc on va dire de février, mars à septembre, pour entraîner leurs chiens à attraper notamment des sangliers. Notre petite mairie, vous voyez, c'est le bureau du maire, salle du conseil, bureau du secrétaire. Tout se passe ici, dans ces quelques mètres carrés. Ça, c'est l'isoloir pour voter, vous voyez. Hop, on tire le rideau et c'est fait. On ne voit plus personne. Alors, la petite église de Lioche, qui a été bâtie, on présume, fin 11e siècle, on a une voûte romane qui l'atteste. C'est pour cela d'ailleurs que notre église est inscrite au classement des bâtiments de France. Et surtout, vous allez trouver dans cette petite église notre trésor, le trésor qui a été peint par Louis Bréa en 1499, l'Annonciation, qui est devant vous. Donc vous voyez sur le panneau central, pourquoi l'Annonciation ? Parce qu'on voit l'archange Gabriel qui annonce à la Vierge Marie, qui est à genoux, qu'elle va porter l'enfant Jésus. Ce chef-d'œuvre, bien sûr, est visité par des personnes du monde entier et fait notre grande fierté. Comment ça se passe si on a envie de venir donc visiter l'église ? Alors, c'est tout simple. Maintenant que nous avons une magnifique auberge depuis le mois de juin, nous allons chercher la clé au Nid d'Aigle chez nos aubergistes qui se feront un plaisir de vous donner la clé pour que vous puissiez visiter ce patrimoine magnifique.
Alors pour conclure notre visite, je vous invite à entrer dans l'auberge Louny d'Aigle que nous avons créée cette année, qui a été ouverte au mois de juin. Et nous avons la chance d'avoir des restaurateurs de qualité avec une auberge et un panorama extraordinaire. Et vous serez toujours les bienvenus, bien sûr. Alors bonjour, bienvenue à l'auberge Louny d'Aigle. Donc aujourd'hui, on vous installe sur la terrasse. On a un temps qui est plutôt dégagé, donc voilà, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui, en plat du jour, on avait une souris d'agneau. C'était accompagné avec des petits légumes. Vous avez pu aussi manger du poisson, donc c'était une queue de lotte qui était rôtie aux épices. Et puis en dessert, aujourd'hui, on avait une tarte aux poires, on avait une tarte aux abricots et une tarte aux pêches. Voilà, ça c'était les desserts du jour. On a une carte avec différents entrées, plats et desserts, donc, sur lesquels on peut réaliser des menus. On a une carte qui est plutôt originale avec des produits locaux, mais retravaillés à notre façon, qui vous permettent de découvrir différentes saveurs. Voilà. Voilà un petit peu ce que vous propose l'auberge Louny d'Aigle à Lieuche. Merci infiniment pour ce joli reportage pour faire connaître notre petit village Lieuche dans le Science. Nous serons ravis de vous accueillir. Nous avons à votre disposition des gîtes. Vous pourrez faire de très belles randonnées et terminer ce séjour à la table du Nid d'Aigle où vous avez pu voir les délicieux plats que prépare Antoine, notre gérant, aubergiste, cuisinier, et où Fabrice nous accueille toujours très sympathiquement et où nous venons de partager d'ailleurs un délicieux repas. À bientôt, j'espère.